Je m'appelle Georges, en fait, Pascal Melet, je suis le directeur technique de la tournée. Oui, c'est-à-dire qu'automatiquement, on lit la technique à l'artistique, ce qui est évident. En plus donc de la mise en place technique, il a fallu aussi amener des images. Et donc il y a eu aussi un travail important au niveau de la création des images et du choix donc des créateurs des images. Bah, disons que l'intégration vidéo, déjà dans un premier temps, on avait, nous, certaines contraintes qui sont des éléments mobiles sur lesquels il fallait absolument qu'on limite la charge. Il a fallu choisir donc un produit qui puisse à la fois être suffisamment souple pour suivre la forme donc trapézoïdale du module, qui soit suffisamment légère aussi, de manière à ce qu'on ne se retrouve pas avec des surcharges sur ces éléments-là. Donc on a travaillé avec Joël, donc de chez Alabama, pendant quand même quelques temps pour trouver des solutions, pour voir quel type de produit on pouvait trouver. Donc on a fini par arrêter notre choix sur un produit, donc le Green Martin. On avait d'autres éléments qui faisaient partie de l'ensemble, qui se trouvaient être donc le système de rampe. Donc lui qui se déploie, qui doit remonter avec un angle de 40 degrés, dans lequel on a des marches escamotables qui sont intégrées. C'est-à-dire que là, nous, on veut avoir un système où on démonte le minimum de choses, étant donné qu'on a énormément de machinerie, que le système est très lourd. On veut essayer de faire en sorte d'avoir des monoblocs, des choses qui se montent assez rapidement. Donc là, c'était intéressant d'avoir aussi ce principe-là. Le rideau, le fameux rideau de LED, voilà. Ou là, ça a été plus, un peu plus compliqué à mettre en œuvre.